question que les 50 balles. Oui, mais genre, tu mérites. Lâche-moi du pied. Pourquoi t'es pas abonné à mon Insta déjà? Voilà, pourquoi? J'écoute. Voilà, y a pas d'excuse. Tais-toi, va t'abonner. Non, en vrai, allez vous abonner. Si vous êtes abonné, vous savez que j'ai sorti une vidéo où je me transforme en Hulk avec le ref Marcelino. Voilà, big up à Marcelino. Allez vous abonner à son Insta. Ok, donc Make Human, c'est quoi? Ben, c'est ça. Donc, on va pouvoir créer notre propre humain personnalisé. En haut, il y a les différentes étapes pour créer le modèle, donc comme les textures ou le rig et tout ça. Et dans Modeling, juste en dessous, on a différentes parties du corps. Donc, par exemple, le visage, le torse, les bras, les jambes et tout ça. Et dans chaque catégorie comme ça, on a encore des sous-catégories à droite. On va pouvoir être plus précis. Donc par exemple dans bras, on a main droite, main gauche, pied droit, pied gauche. Et par exemple, on pourra changer la taille de tout, la longueur et tout ça. Du coup, c'est vraiment précis. Et donc moi, je vais essayer de faire un personnage qui me ressemble à peu près pour le truc de Hulk. Bon voilà, donc moi, je suis arrivé à quelque chose comme ça. Ça me ressemble pas du tout pour l'instant. Mais ensuite, ce modèle, on va le mettre dans Blender pour changer quelques trucs. Vous avez vu, j'ai ajouté des textures ici dans Materials. Et j'ai mis ce que je voulais. Et j'ai mis les yeux en vert, parce que Hulk il a les yeux verts, comme ça, j'aurais pas besoin de changer. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on va aller dans Files et Export. Et là, on peut choisir le nom, le type du fichier, où est-ce que ça va être exporté. Voilà, donc une fois qu'on a exporté le modèle, on va aller dans Blender et je vais changer quelques trucs pour que ça soit un peu mieux. Ah, donc ça, c'est le modèle une fois que je l'ai importé dans Blender. Là, vous voyez que je l'ai déjà un peu modifié par rapport à tout à l'heure. Là, vous pouvez comparer à peu près, vous voyez que c'est pas à peu près la même. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, si on le sélectionne et qu'on appuie sur Tab, là, on voit qu'on est dans le mode édition. Voilà, en cliquant, on peut sélectionner une face. Et si on la bouge, on voit que ça bouge uniquement la face. Sauf que si on appuie sur le rond ici et qu'on bouge, on voit que ça bouge à peu près tout ce qui est à côté. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que vous avez compris. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que j'ai fait pour modifier le visage. Sinon, vous pouvez aller ici dans Sculpting. Et on voit qu'à gauche, il y a plein d'outils qui peuvent vous servir. Donc, par exemple, donc ça va permettre de soit ajouter des boss ou on va pouvoir tirer des parties un peu comme ça. C'est toujours pas parfait, mais avec les textures, je pense que quand on aura tout fini, je pense que ça va être un peu mieux. Du coup, on va aller dans Mixamo pour l'animation. Voilà, donc Mixamo, c'est un site où on va pouvoir animer notre personnage. C'est pas compliqué, vous pouvez faire des animations comme ça ou le faire marcher, ce que vous voulez. Et pour plus de détails, je vous laisse aller voir le tutoriel de Gaël. Voilà, donc là j'ai importé l'animation dans Blender. Donc déjà en tout premier, j'ai ajouté un subdivision surface. Par exemple, là on voit que le bout des bras il est un peu pointu. Alors que si on met un subdivision surface, voilà, là on voit qu'il y a tout qui est plus doux, qui est plus lisse et ben, comme s'il y avait plus de détails. Donc ensuite c'est l'armature. Donc si on l'enlève, il n'y aura pas d'animation, juste notre modèle. Oula. Et si on le met, on voit qu'il y a l'animation avec la pose et tout ce qu'on veut. Et si on fait play, voilà, on voit que ça bouge. Et ensuite, on a tous les systèmes de particules. Donc en tout, il y en a 5. Et ça, ça va être pour tous les poils du corps. Donc il y en a un pour les sourcils. Donc il y en a pour les sourcils, pour les cheveux, pour les poils du corps et je sais plus. On va sélectionner la partie qu'on veut. Donc moi, ça va être le haut de la tête pour les cheveux. On va aller ici et ajouter et cliquer sur plus pour créer un nouveau vertex group. On va cliquer sur assign et ça va mettre tout ça dans le vertex group. Et si on sélectionne, et ben ça va juste sélectionner ce qu'on a mis dedans, donc voilà, c'est ça qu'on veut. Ici on va ici, et donc dans le système de particules ici, on va en créer un nouveau et mettre R, donc pour les cheveux. Et donc dans Density, j'ai mis le groupe qu'on a créé. Voilà, et donc il y aura des cheveux qui vont apparaître uniquement dans le vertex group. On va descendre dans Children, j'ai mis Interpolated, et donc ça va multiplier les cheveux pour faire des trucs cool. Et juste ici dans Kink, moi j'ai sélectionné Braid, donc pour faire des sortes de tresses. Mais on voit qu'il y a plein de types de cheveux, donc il y a par exemple des cheveux bouclés. On peut même faire des waves, je crois.
Du coup, c'est cool. Mais moi, j'ai mis braid pour que ça corresponde à peu près à moi. Ouais. Et ensuite, en remontant, on a Air Dynamics. Alors, ça, j'ai coché. Ensuite, j'ai rien changé et j'ai bake la simulation. Et donc, voilà. Et donc ça va juste rendre mes cheveux souples en fait et les bouger avec le vent ou en fonction des mouvements et tout. Et ensuite, la dernière chose que j'ai fait, ça va être les vêtements. Et j'ai sélectionné par exemple un t-shirt comme ça. Donc déjà dans le modèle du Hulk. Et je les ai séparés du modèle. Ensuite, dans le mode édition, je les ai déchirés à quelques endroits. Ça se voit un peu ici, on va des traits un peu plus épais. Et ici, dans les propriétés physiques, j'ai ajouté une collision. J'ai ajouté collision et close. Et ensuite, j'ai fait bake et il y a tout qui fonctionne sans problème. Voilà, donc ensuite j'ai ajouté d'autres éléments dans la scène comme des voitures, des murs et tout ça. J'ai animé la caméra et ensuite j'ai fait le rendu avec Shipit. Shipit c'est quoi? C'est une render farm et ça va permettre de rendre des projets plus vite. Si vous voulez une vidéo dessus, je vous expliquerai. Et ensuite j'ai fait mon montage dans Premiere Pro et tout ça. Et c'est fini. Ils sont mes 50 balles. Ouais, mais je te mets. Lâche-moi du pied.